Nous avons trois pick-up ici, des micros à bobine. Alors, c'est ce petit instrument qui capte le son. Le pick-up qui est ici, c'est celui-là sur le bord du pont, on appelle le bridge. Alors, c'est le pick-up du bridge. Lui, il sonne un peu comme ça, écoutez bien. Lui, il sonne assez aigu. Je change de position, mon sélecteur change de position, il va choisir ces deux pick-up-là. Écoutez bien le son. Je reviens à la première position du bridge. Je change encore. Si je le mets au milieu maintenant, vous avez le son d'ici. Je reviens à la position de tantôt. Position numéro 2, fait que la position numéro 1, c'est le pick-up-ci. Position numéro 2, c'est les deux pick-up. Position numéro 3, seulement celui-là du milieu. Position numéro 4, celui-là du milieu et celui-là du manche, on appelle le neck. Beaucoup plus sourd. Et on s'en va. La dernière position aussi, qui est le pick-up du neck. Si vous aimez le son blues, là. Avec celui-là, ça va très bien. Maintenant, les volumes. Le volume, ici pour les trois pick-up, que je sois dans n'importe quelle position numéro 1, le volume, position numéro 2, c'est le même volume. Le tone maintenant. Le tone qui est ici, lui, c'est pour les sons aigus et sons clairs. Alors, si je le fais comme ça, je baisse le tone à zéro. Beaucoup plus clair. Même chose pour en haut aussi. C'est l'autre ton, celui-là du centre. Voilà. Le ton, c'est une question de goût. À vous de choisir.